Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Idées de Bise. On va voir ensemble comment raccourcir un lien et le personnaliser. Alors vous le savez, quand on est en marketing, que ce soit marketing de réseau, quand on cherche à vendre un produit en affiliation, dropship, etc., il faut avoir un maximum de design sur la présentation et la forme de nos posts, okay, donc de nos publicités. Donc si on a un lien, il faut que ce lien soit assez explicite, à savoir pourquoi on va cliquer dessus et pourquoi vos visiteurs vont cliquer dessus. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez une publicité ici. C'est une publicité sur une formation e-marketing, ou enfin e-commerce plutôt. On va en fait voir ce que ça donne en termes de longueur de lien. Donc si je copie le lien d'adresse ici et je vais par exemple sur mon Facebook et je veux le repartager, eh bien, quand je veux le coller, quand je le colle, eh bien, j'ai un lien qui est énormément long et super moche. Donc, personne ne cliquera sur ce type de lien, même si l'image est sympathique, etc. Alors, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement, justement, le raccourcir et lui donner un peu de forme. Donc, on va avoir pour ça un site comme vue.fr. Donc, il y a d'autres sites en ligne qui existent pour raccourcir des liens. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir le raccourcir et donc aussi le personnaliser. Alors qu'est-ce que c'est la personnalisation? C'est simple, on va avoir par exemple vue.fr/, et par exemple ici je vais marquer formation e-commerce 2.0, et je vais le faire ici. Donc je vais marquer ici par exemple formation, je vais mettre un point, e-commerce, point ou tiret, voilà, et 2.0. Alors, je rajoute ici, j'ai oublié un E. Voilà, donc on a ici une, on va dire un terme qui est beaucoup plus engageant. Je vais raccourcir maintenant le lien que je vais coller d'abord ici. Et là, je vais le réduire. Et donc maintenant, j'ai un lien qui s'appelle formation e-commerce 2.0. Je fais un copier et là, je peux le coller. Et on a quand même quelque part un peu plus de rendu sur le design de notre lien, tout simplement. Donc ça engagera beaucoup plus les personnes à cliquer sur votre lien parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils vont trouver derrière. Voilà les amis pour cette vidéo, à très bientôt.